Bonjour à tous. Donc je fais une vidéo ici pour vous tenir au courant un peu. Donc les petites, voilà ce que j'ai suivi hein, sur l'actualité là aux États-Unis, c'est assez hallucinant ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Donc je sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu une attaque de Big Tech là sur Internet qui est assez incroyable, ou une explosion en fait de la censure, mais comme on ne l'a jamais vu. On a vu il y a quelques jours que quelques jours, je sais même plus quand c'était peut-être hier, je sais plus, enfin bref, que le compte Twitter de Trump a été supprimé, plus des plein d'autres, le compte de Linwood, le compte de Sidney Powell, plein de voilà, donc plein de réseaux sociaux comme ça qui ont été censurés, mais ils ne s'arrêtent pas à la censure maintenant. Vous connaissez peut-être le réseau social Parler, donc beaucoup de gens qui suivent l'actualité aux États-Unis, qui suivent Cube, du coup se réfugient entre guillemets sur Parler pour échanger. Parler, il faut le savoir, est hébergé donc chez Amazon, et là Amazon a dit arbitrairement en fait, a décidé arbitrairement d'arrêter les serveurs en fait de Parler, donc d'ici demain matin 8 h en France. Donc voilà, donc c'est assez fou. Et donc ici Linwood nous tweet, pardon, on est sur Parler, voilà, donc poste un article, voilà, qui dit donc pape arrêté. Donc voilà, donc blackout au Vatican, pape arrêté pour trafic d'enfants. Enfin bref, vous m'avez compris, pédocriminalité, compagnie. Voilà. Donc là, on clique dessus, on regarde ce qui se passe. Et en fait, vous allez voir qu'il va rien se passer puisque le site, donc cet article, a été supprimé. Donc c'est même pas l'article qui a été supprimé, mais en fait c'est le site qui héberge l'article a été arrêté. Donc du coup, le résultat que vous allez avoir, c'est celui-là. Donc ouais, c'est assez fou. Donc après, on fait une recherche. Du coup, moi j'ai cherché ça sur DuckDuckGo. Donc du coup, on retrouve cet article. Je comprends pas. Hein. Il y a très peu de temps, il y avait un article de Snopes fact-check. Non, le pape n'a pas été arrêté. Cet article n'est plus là. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça n'apparaît même plus sur Google. C'est hallucinant. Ça, je le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais du coup, donc voilà, il y a quand même des choses à vérifier. Est-ce qu'il y a eu un blackout au Vatican? Oui, absolument. Vous allez voir ici, donc, un live feed. Hein, il y a tout le temps un live feed en fait du Vatican. Donc voilà. Donc juste je vous montre à quoi ressemble le Vatican la nuit normalement. C'est censé ressembler à ça. Sauf que toute la nuit c'était comme ça. Ok? Maintenant, alors je sais pas si on va le voir avec cette qualité là. Est-ce que vous voyez ici, il y a un truc qui clignote. Vous voyez, ça bouge. Il y a un véhicule en fait. Il y a un véhicule là qui est en train de bouger. Alors vous le verrez certainement pas sur la vidéo, mais moi j'ai l'impression que c'est une espèce de camion. Voilà, c'est des gyrophares bleus verticaux. Ici, là, je sais pas si vous arrivez à le voir, si vous allez réussir à le voir, hein. Mais du coup, voilà, encore des gyrophares. Et donc moi, j'ai avancé un petit peu. Voilà, donc c'est resté toute la nuit, hein. Donc là on avance. Alors je sais pas de quelle heure en fait date le feed, mais ici voilà, donc les gyrophares là sont toujours présents. On voit ici hein, deux phares, j'ai l'impression. Voilà, j'avance dans le temps. Ils sont toujours là, hein, donc ils restent. Ça fait au moins 2 heures hein, qu'ils sont là, comme on peut le voir. Là, on a l'impression qu'ils sont déplacés. Ah, vous voyez ici les deux phares qui sont là. Quand j'avance, ils arrivent là. Tu as un déplacement. Vois pas grand chose. Voyez,
les phares disparaissent, donc le véhicule, hein, c'est clairement un véhicule, hein. Le véhicule disparaît. Donc là on a un peu de son, vous voyez ici on a des gyrophares encore. Hein. Ici ouais, on a l'impression qu'il y a deux véhicules côte à côte. Et donc aussi oui donc je vous dis ça, donc apparemment il y a eu des blocages routiers en fait tout autour de Rome. Donc voilà. C'est assez. J'espère vraiment. Enfin, là, ce que je vois sous mes yeux, c'est vrai de toute façon. Maintenant, de quoi il s'agit? Moi, je me dis. Donc, il y a Linwood qui ne tweet que le. Voilà, enfin, qui ne tweet, pardon. Qui reporte en fait donc un article qui dit que le pape s'est fait arrêter. Le site d'où émane cet article est carrément arrêté. Et là, on voit donc qu'il y a effectivement un blackout au Vatican, qu'il y a des blocages routiers. Et là, on voit donc des véhicules qui semblent être manifestement des véhicules des forces de l'ordre. De quelle nature, je ne sais pas. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'en Italie, ils aient ce genre de véhicules. Bon, après, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses. Est-ce qu'ils sont encore là? Donc là, j'ai l'impression que. Opération, s'il y a eu opération, est terminée. J'essaie de trouver le moment en fait où on voit le véhicule partir. Vous voyez là, il y a un véhicule qui commence à partir. Il va peut-être passer à un endroit où c'est peut-être un peu plus illuminé, je sais pas. Est-ce que ça va passer devant? Le véhicule qui disparaît. Pas si on arrive à voir. Hein. Et vous voyez, hein, ça c'est des gyrophares comme ça. Pour moi, c'est les forces de l'ordre. Hein. Il n'y a pas de, on dirait une espèce de SUV, je ne sais pas. Et aussi, j'ai mon patron quand même qui m'a dit, bah peut-être, n'espère pas trop. Si ça se trouve, en fait, ils sont juste venus pour réparer le courant. Je vous invite à constater que que le blackout va continuer pendant. Longtemps après, donc ça c'est effectivement ça, c'est un engin pour nettoyer, on le voit après. Alors du coup je pense qu'ici ça va être intéressant parce que on va voir le Vatican. Se rallumer d'ici quelques secondes je pense. C'est instantané. Voilà. Ouais, je sais pas trop quelle conclusion on peut faire. Souvenez-vous donc de la vidéo de Rémi le 21 décembre qui nous avait dit on ne sait pas trop parce que, enfin voilà, on a l'impression que peut-être on a été dupé puisque. Bien puisqu'ils avaient en fait vu que les vaccins qui sont déployés en fait aux États-Unis sont effectivement bah, des vrais vaccins. Malheureusement, il ne s'agit pas de placebo. C'est moi ça m'a vraiment maintenu perplexe. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est qu'il semble qu'il se passe réellement des choses. Et je tiens à dire que Linwood, dans une interview, a
tout balancé sur les vaccins. Il a parlé de Bill Gates, enfin bref, je vais pas vous raconter, mais il a dit, enfin voilà, que les vaccins sont une arme en fait de l'état profond et que les tests sont truqueux. Il a vraiment tout balancé en fait sur le narratif en fait sur le narratif Covid-19 quoi. Donc voilà, bah, je vous laisse faire les conclusions que vous voulez faire. Hein. Moi en tout cas, je suis très 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 enthousiasmé. En tout cas, oui, chose importante, donc Big Tech va vraiment tout faire pour essayer de censurer cette information. Enfin bon là, de toute façon, je pense que c'est fini pour eux, hein, vu là ce qui est en train de se passer. On pense hein, normalement que Donald Trump va utiliser l'Emergency Broadcast System, donc en gros le système de communication d'urgence, enfin de transmission d'urgence, et donc afin de le réduire au silence, il est fort possible que Big Tech mette à jour donc les smartphones et tout, enfin en fait tous les OS de smartphones, pour désactiver ce système. Donc du coup, je vous invite à désactiver les mises à jour sur vos téléphones. Donc voilà, et aussi concernant ben, le sujet de Rémi, on nous a passé une information comme quoi il fallait justement faire ça. Donc le fait que voilà, qu'on nous dise ici qu'il faut effectivement donc, désactiver ces mises à jour et que c'est par rapport à Trump. C'est-à-dire que vous voyez, il n'y a rien de tranché concernant Trump. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que Trump c'est un traître ou quoi, que c'est un piège. Absolument pas pour l'instant, on attend de voir et je pense que nous sommes en train de voir. Donc voilà, moi personnellement, je suis très content de voir ça. Voilà. J'ai de très bonnes vibrations, on va dire. Voilà, ce que je ressens me plaît vraiment beaucoup. En fait, si tout ça était un piège, je ne comprendrais pas l'intérêt, en fait. Pourquoi avoir mis toute cette mascarade en place? Pourquoi, enfin, il s'agirait d'une opposition contrôlée, mais dans ce cas, d'une opposition contrôlée, d'une... Enfin, pour moi, je n'arrive pas à trouver vraiment de logique. Pourquoi ils auraient fait tout ça alors qu'en fait ils auraient pu juste avoir une pensée unique et puis voilà, avoir leur monde orwellien comme ils le veulent. Très franchement, je n'arrive pas à trouver d'explication à ça. Pour moi, ce qu'on voit là, je suis presque convaincu à 100%, honnêtement. Hein. Après, bien sûr que j'ai envie d'y croire, ça c'est sûr. Mais voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc alerte, light blind, donc after Vatican blackout reports, maps show majority roads Rome are closed. Donc voilà, donc ça c'est la map d'Apple apparemment. Alors, on pense à une vidéo. Ah oui, effectivement. Donc ouais, toutes les routes bloqué de la sorte. Voilà. Puis de toute façon, on suit, hein, bah comme c'est marqué ici, hein, c'est en train de suivre le déroulement du coup, comme l'avait prédit Q. Donc ça veut dire que clairement, le plan de Q est en train de se dérouler. Maintenant, la question c'est, est-ce que Q serait un piège? Ma foi, je ne pense vraiment pas. Mais vous voyez ici, hein, donc, post Twitter removal, donc c'est ce qui s'est passé. Donc, le compte Twitter de Trump a été supprimé. Central Communication Blackout. Alors, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes. Bah, il y a eu clairement, hein, des sites sont tombés. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis actuellement au niveau d'Internet. Nous, je sais pas, je ne sais pas ce qui va se, je sais pas trop ce qui va se passer maintenant. Moi, je m'attends peut-être effectivement une coupure d'internet ou un blocage des. Je pense que ça va résonner hein, partout dans le monde. Voilà, j'ai très
hâte de voir comment la presse mainstream va réagir à tout ça. Je pense que ça va être de la rigolade. Je pense qu'on va vraiment rigoler. Je sais pas, on va chercher donc, Vatican Blackout. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis extrêmement surpris que cet article de Snopes, qui était là, hein, que j'ai pu voir, pourquoi il n'est plus là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais essayer un truc. Essayez ça. Excellent. Merci la Wayback Machine, vous êtes super. Donc Vatican Blackout, Pope Arrested, Updates. It appears that Pope Francis tweeted out this morning. Ah oui, apparemment il aurait tweeté aussi qu'il ne participerait pas à la messe ou je ne sais pas quoi. Donc je vais essayer, ouais, je vais vous traduire ça donc en direct. Donc il semblerait que le pape Francis a tweeté ce matin. Cependant, notre journal, donc Conservative Bearer, a confirmé que le pape Francis a une équipe enfin, on va dire de médias sociaux qui gère en fait ses posts. Et que celui-là était prévu. En fait, il était planifié. D'accord. Donc, Vatican, Italie, le pape Francis, okay, Georges Mario Bergoglio, donc oui, Georges Mario Bergoglio, a été arrêté samedi en connexion avec. Alors, je sais pas comment traduire ça. C'est du terme judiciaire un peu technique, mais en gros, selon les charges suivantes, qui sont possession de pornographie enfantine, trafic d'humains, inceste, possession de drogue et paraphernalia and felony fraud. Je ne sais pas ce que c'est que la paraphernalia. National Prosecutor's Office. Donc, le bureau national italien du procureur, peut-être, l'a confirmé et a ordonné les arrestations et a rempli. Désolé, hein, je ferai du mal en direct comme ça. Enfin, moi, en fait, je comprends ce que ça dit, mais j'ai du mal à le retranscrire en fait de vive voix directement. Un homme a été arrêté. Donc apparemment, un homme a été arrêté
Donc maintenant, donc oui, il fait face en fait à 63 charges supplémentaires concernant donc de la pornographie enfantine, trafic d'humains. Donc des officiers militaires, la police italienne et l'équipe de crimes, le sex crimes, en fait les crimes de, oui, de l'équipe de crimes sexuels, est allée donc à la maison du pape au Vatican. Ils l'ont arrêté et d'autres personnes haut gradées. Et les ont tous donc placés, ils ont tous mis en état d'arrestation. Les gens près, ok, donc les gens donc proches de la scène ont reporté donc des coups de feu, mais la police n'a pas confirmé si c'était eux qui le tiraient. Le pape Francis est actuellement détenu dans une prison inconnue, interrogé par des agents fédéraux travaillant pour l'État d'Italie et Interpol. Le FBI, selon les rapports, sont en train de faire les arrangements. Voilà. Donc voilà, donc le FBI est en train de faire des arrangements en fait pour le transférer une fois qu'Interpol en aura fini avec lui. Giuseppe Governale, Italy's Chief. Ok. Donc je sais pas, en fait le prosecuteur, oui, je sais pas comment le traduire en fait, prosecuteur, c'est celui qui poursuit en fait, peut-être le juge, je suis pas sûr. Bref. Le chef italien anti-mafia, on va l'appeler comme ça, a été appelé tôt pour l'enquête concernant le pape Francis et d'autres personnes au sein du Vatican. Il a dit que le groupe était sous-estimé et particulièrement dangereux à cause de sa capacité. Ah oui, à cause de sa capacité à proliférer à travers les nations et à les infiltrer. Et oui. Donc ces individus sont le pire du pire de la société. Je peux vous promettre que nous n'allons pas arrêter de cibler le trafic humain. Jusqu'à ce que nous arrêtions cet échange honteux au Vatican et en Italie, ainsi que dans les pays avoisinants en Europe. Bien que je sois prosecutor, je suis désolé, hein, je sais pas le traduire. Bien que je sois prosecutor en Italie, mon département va faire de son mieux pour protéger nos citoyens et surtout ceux qui en ont le plus besoin, nos enfants. De manière à procéder à l'arrestation, la police. Et donc voilà, Police and Military Agents. Donc les officiers de la police et militaires ont arrêté, donc ont coupé le courant au Vatican, comme on peut le voir donc sur la caméra. Voilà, donc ça a été vite repéré par les web sleuths. Je sais pas comment on peut traduire ça. Je sais pas. Bref, par des personnes du web. Je sais pas comment traduire ça. Qui ont vite remarqué qu'il se passait des choses suspectes au Vatican. Google is delisting the results. Be the first to tell the world the truth. Share this article now. Voilà, donc Google est en train de supprimer tous les résultats. Soyez les premiers à partager la vérité maintenant. The judge has imposed EU-wide publication ban. Fortunately, the ban doesn't affect Canada or the US. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est absolument énorme. C'est énorme. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit une mise en scène. C'est énorme.
Donc voilà, je vous laisse avec ça. Voilà, je vous dis, voilà, prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vos proches. Et puis voilà, et surtout, where we go one, we go all, tous pour la France, avec Rémi. Merci à tous.